bien le bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième vidéo, le sanctuaire du tombeau de corail. Allez à la lueur bleu-violette, vous plongez, vous tirez sur le bouton pour entrer, vous utilisez le toboggan qui va vous amener à une pièce principale. Dans cette pièce, vous descendez au fond, à côté de la boîte de munitions, vous trouverez le premier journal. Il faudra ensuite activer des leviers dans l'ordre, donc gemme, corail et chaîne. Cela se fera en trois phases, vous pourrez vous repérer facilement grâce aux couleurs de corail. Première phase, couleur bleue, deuxième, couleur orange et troisième, couleur rouge. Vous allez derrière le pilier, vous activez ensuite le corail. Vous remontez en surface et activer la chaîne. Les chaînes seront toujours en surface. Les portes s'ouvrent, la deuxième couleur se montre, la orange. À chaque combinaison, vous allez devoir affronter des vagues de sirènes. Le premier levier est en surface, à côté de la sirène, vous rentrez. Vous aurez le levier ainsi que le journal numéro 2. Vous traversez la pièce, vous rentrez dans la seconde grotte de couleur orange et vous activez le levier de corail. Remontez en surface et activez le levier de la chaîne. Nouvelle fois, les portes s'ouvrent, cette fois de couleur rouge. Il va falloir vaincre une fois de plus les sirènes. Vous plongez, vous rentrez dans la grotte de couleur rouge pour activer le levier de la gemme. Vous revenez en arrière, vous traversez la pièce, toujours grotte de couleur rouge, et à l'entrée sur la droite, vous aurez un journal de plus. Allez au fond et activez le levier de corail. Remontez ensuite en surface pour activer la chaîne avec le corail rouge. Une fois la combinaison réalisée, cela validera la commande. Une vague de sirènes apparaîtra, tuez-les. Vous pourrez accéder à cette pièce où vous pourrez trouver le journal numéro 4 devant le mur de crâne. Traversez ensuite de l'autre côté. Montez sur le bout d'épave, à droite de la sirène, vous trouverez le cinquième journal. N'oubliez pas de ramasser vos trésors, de les stocker à la sirène, vous en avez 20 au total. Prenez ensuite la sirène pour retourner à votre bateau. Oula, il y a le feu ici. Repérez la sirène au plus proche de votre bateau pour réclamer vos trésors. Et voilà les amis, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, un commentaire si vous avez des recommandations à donner. Et je vous dis à bientôt, maudit pirate.